pas grave. Au moins j'avais un peu de thunes. 650 balles, c'est pas mal. Qu'est-ce que... C'est cette merde. Qu'est-ce que cette merde? Ah, terrible. Ah, merde, dommage. Dommage. Envoyez les informations à Regina. Ah. Non. Message. Et... Ah bon. Vous êtes là? On sait jamais, hein. Le message n'a pu être envoyé, destinataire peut-être. Ok, d'accord. Regina Jones. Ellen Mower. Voiture à vendre. Ouais, la quartz. Super. Dommage que t'aies dû la tuer, Mower a les implants de combat expérimentaux qui sont... Oui, ok, ok, je ferai un effort la prochaine fois, c'est promis. Alors c'est quoi ça? Parler à Misty. Si juste en faisant de la merde, ça va le faire ou pas. Je change pas à m'occuper en faisant de la merde. Ah, il y a un contrat là, mais tiens, on va aller voir ça par exemple. Boutique de vêtements, j'ai jamais vu. Oh putain, mais nique ta mère. Et je sais pas si cette quête elle peut se résoudre pendant que je suis pas lock dessus ou pas. Bah ça marche. Peut-être qu'il faut que je fasse de la main pour... Ah. C'est au-dessus. Pardon, je maîtrise pas encore ma caisse. Oh, je suis une calamité. On va finir à pied. Pourquoi j'ai gagné 1650 balles? Ok, je gagne une XP, je sais pas pourquoi. Ok, j'ai gagné plein de trucs, je sais pas pourquoi. J'ai rien fait. J'ai juste shooté dans quelqu'un. Alors, on va voir une boutique de fringues. Bonjour. Mortel, les fringues. Merci. Depuis quand les gangs vendent des fringues? C'est un tatouage de Tiger Claws. Depuis quand les gangs vendent des fringues? Depuis qu'ils ont décidé qu'on leur servait plus à rien si on n'avait pas de jambes. Bah c'est bien pour toi en vrai, parce que ça t'évite de crever. Si les chiffons que vous portez sont sympas pour vous, alors oui. Yes, merci de me juger. Ah oui, j'ai récupéré des fringues niveau requis 22. Ah oui. Peut-être te les vendre, ça, pour le coup. Peut-être te les vendre. Ouais, je vais te vendre de la merde, un peu. Oula, qu'est-ce que j'ai... Ouais, je vais le reprendre, ça. Ça, ça, je le vends, ça aussi, ça aussi. Je sais pas ce que c'est, donc je m'en fous. Est-ce qu'on peut vendre l'MDR? Est-ce qu'on peut vendre la clé de la chambre de Jackie? En mode gros enculé. Il n'y en a pas un que j'ai en double, je sais plus lequel. Alors, paf, paf. Il y a des fringues, je vends de la merde. Bon, le reste, ça m'a l'air bon. Alors, qu'est-ce que tu vends comme fringue, toi? Qu'est-ce que tu vends comme fringue? T'as l'air de vendre que de la merde. C'est quoi ça?
Vieille chemise de combat flaze. Oh ouais, 1500 boules, putain. Putain, ça coûte cher les fringues, hein? Chemise à mailles protectrices en édition limitée. Ça a l'air sympa, j'aime bien. Allez, on va prendre ça. On va juste prendre ça parce que le reste c'est de la merde. Oh, j'ai gagné 1200 balles quand même. Ah, ça se met par-dessus. Je vais voir. Ah, ça me donne un look particulier, hein. Alors, ça reste moins stylé que ça. Je suis d'accord, mais j'aime bien. Putain, évidemment, j'ai les trucs épiques, rares et tout ça. Attends, y a pas moyen que je fabrique des fringues? Des fringues qui sont pas immondes de préférence. Qu'elles le sont toutes. Elles sont toutes immondes, putain. Bon, c'est pas grave. Non, bah, je sais pas, on va attendre. Rubis sur l'ongle, c'est quoi ça? Ah oui. Ouais, bah, ça, ouais. Est-ce qu'on ferait pas ça? Allez, on va faire. On trouvait le taxi de la main. 1 km. Un kilomètre. On va redescendre. Alors. Oh, allez, allons-y en moto pour une fois. La moto qui est bloquée dans les embouteillages. Allez hop. Waouh. Calme-toi frérot, calme-toi. Putain. Bon, j'ai déjà abîmé la truc à Jackie, ça aura pris 2 mètres. Pas grave. Attends, je vais chercher. Ouais, quoique, je suis pas fan du look en fait. Ah, je suis pas fan, j'aime pas en fait. J'aime pas. Ouais, non, au final, j'aime pas. Bon, j'ai dépensé 1100 balles pour rien. C'est pas grave. Y'a pas moyen que je l'améliore. Attends, en vrai, mon petit par-dessus là. Ah, mais ça coûte rush sa mère! Ah, j'avais pas vu. Pas gagné point d'attribut. Putain, il me manque encore 2 points d'attribut là. Bon, j'ai peut-être fait une connerie, c'est pas. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain, les motos ça tourne pas. Il y a aucun véhicule qui tourne dans ce jeu, c'est incroyable. Ok, j'ai tourné trop tôt, ouais. Mètres. Ah ouais, mais comme je disais, avec une moto ça servira à rien. Putain, alors attends. Bon, il va falloir que je trouve il va me falloir un véhicule. Bonjour, excusez-moi, police réquisition. Je veux rentrer chez moi. Bah vas-y à pied. Je bosse pour la justice! Trouver la Delamain cachée. Taxi Delamain. Le plat? Dépressif. Hey, doucement. Faut que je tape un peu. Laissez-moi. Mais non, mais t'inquiète frérot, calme-toi. Je suis là pour t'aider. Avec une conduite pareille, ça va être infernal.
Allez. Ah, ça me rappelle les courses-poursuites de The Crew. Quel plaisir, quel bonheur. Bon, il va pas trop vite, donc ça va. Bon, on va virer cette radio de merde. Merci. Tu peux t'arrêter, frérot, hein. T'inquiète, on ne veut pas de mal, je vais te ramener au travail, c'est tout. Sous la direction d'une IA terroriste, enfin d'une IA... D'une IA. C'est pas si grave. Regarde, Cortana, elle a réussi dans la vie. Bon, pas celle qui est sur Windows, c'est de la merde, mais... Bon, on se fait chier sinon, hein. C'est bien, au moins je conduis bien là pour cette phase. Aïe. Dis-je en rentrant dans la bagnole que je suis censé suivre. Scan de proximité. Bah allez, arrête-toi frérot, arrête-toi. Ah bah yes. Voilà, ça devait arriver. Je vous remercie, Vray. J'ai pu rétablir le contact avec le véhicule. Yes, bah de rien. Quoi, les thérapies de choc, ça marche. Bon, ça va, il y a enfin un truc à 2 km/h. Une partie de votre argent, mais vous ne recevrez pas les deux sur votre compte. Ok, non, la blague est valide. La blague est valide. La bagnole en fin de glitch. Alors, journal, qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, ça, faut qu'on attende. Full on the hill, on va aller parler à Misty, tiens. Elle est où? Deux bornes. Donc on allait parler à Victor et Misty. Oh bordel. Sans Victor et Misty, ils sont au même endroit, donc... Putain, pas mal le 4x4 en vrai. Ah, on est un peu sorti de la ville. J'ai pas regardé à quel point la map était grande, en vrai. Il y a une partie nord, là, aussi. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, mais toujours plus. Putain, toujours plus. Il va être tellement long à finir, ce jeu, bordel de merde. Bonjour. Et l'agression. Putain. Pour la justice. Pour la justice. Justice. T'imagines les criminels, ils arrivent, vous voyez un gars qui rentre dans le mur. Alors, bonjour. Bienvenue pour votre exécution, mes chers amis. Pas plus simple. Un petit ping. Je pense pas qu'il y ait bien plus que les 3 gus que j'ai en face là. Allez, on va leur mettre un petit coup de pression déjà. J'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Montre-toi. Bien. J'ai pas vu s'il y avait un civil. On va jouer. La vache. Oh putain. Bon bah toi tu vas bien même marcher maintenant. Merde, c'est quoi ce délire? C'est la méga batteuse. Voilà. Parfait. Les armes intelligentes, ouais, c'est les armes qui tirent. Qui ont auto-target là, ouais. Ouais, j'ai vu. C'est pas mon kiff. J'avoue que c'est pas mon kiff. Yes, level 12.
Et on va mettre un point en constitution. Allez, plus qu'un point et on peut mettre ce putain de sniper. Et on pourra porter ce méga sniper ultime là, que j'ai laissé à la maison. Là. Absolument pas ce que je voulais faire, mais écoutez, soit. Ça sera pas mal. Allez. 1,4 km, allez, on y va tranquillou. Ah, un peu du cul, putain, elle galère à monter à 100 celle-là. C'est de la merde vos caisses, les mecs. Voilà, là en pente, on monte à 160 et des pâquerettes. Et on tourne pas. Oh, mais vous avez vu quand je me suis retourné? Ça marche bien, hein. Il y a un charcutoc en vrai, je passerais bien voir ce qu'il propose. Je passerais bien voir ce qu'il propose. Il est où? C'est là, là. Casse-toi, gamin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Vous avez quoi ici? Peut-être qu'il a proposé les jambes en moins cher. Hein. Oui, il les propose en moins cher. Ah non, c'est juste que j'ai 30 000. Qu'est-ce qu'on fait? J'avoue que ça, j'ai très très envie de l'avoir. Cheville fortifiée, tendon renforcé. Double saut, ça m'intéresse pas. Allez, allez, ouais, vas-y. Allez, je suis fou. 30 000 balles. 30 000 boules. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à vendre? Bah, ça déjà. Ça, je sais pas si je m'en servirai un jour. Les armes intelligentes, ça m'intéresse pas. C'est quoi ça? Oh, il a de la gueule celui-là. J'ai que 4 armes. Ah bah oui, parce que j'ai vendu ma mitraillette, c'est vrai. Alors, en termes de ça, c'est bon. En termes de ça, ça, je vais le revendre. Ça aussi. Tous les trucs que je mets pas. Mes docks, on va pas revendre. Moi, j'aimerais pas y toucher. Ça, ça me gonfle. J'arrive à les mettre nulle part. C'est quoi, ça? Bon, bah go, hein. Il me les a installés au moins? Ah, il me les a installés, yes. Fais voir. Genre là par exemple. Oh ouais! Oh ouais, oh ça valait les 30 000. Quoi? Parlez à Victor? Il est pas du tout là? On disait que le jeu est buggé. Ok. Ok, le jeu est un petit peu un chouïa buggé, j'ai l'impression. Ah oui, ça cause en anglais sur la radio, c'est ce qui me semblait. Pardon, cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous. Casse-toi avec ta familiale de merde. Laissez-moi passer, bordel. Ah, mais c'est le truc qu'on entendait, c'est quoi ça? Non, je vais pas le retirer. Merde. Merde, putain, je voulais pas la retirer, je voulais l'écouter. C'est le truc à la con qu'on avait entendu tout à l'heure, putain. Ah la dèche.
Ah, yes. Putain. Ah, je conduis comme une quiche. C'est là, les flics, ils ont pas réagi. Hein. On notera. On notera que les flics, on s'en bat les couilles. De ma conduite. Ouais, ouais, courez. Enfin, pourquoi par là? Oh, ça me saoule. Vas-y. Je finis les derniers mètres à Yep. Hop là. Oh, quel enfer. 300 mètres. Et qu'est-ce qui se passe avec cette map de con là, putain. Mais oui, mais Misty et compagnie, ils sont là, connards, ils sont pas là. Il me casse les couilles le jeu. Il me casse les couilles. À changer de truc à chaque fois que je... j'appuie sur avancer, ça c'est assez chiant. C'est très très chiant. Où est-ce que je peux passer? Là ça non, là ça rentre pas, j'imagine. Poupilou pilou pilou. Barrez-vous. Putain, c'est pas la porte à côté? Oh ta gueule, je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'il me fait le jeu là? Attends. Oui, c'est bon, putain, mais vache. Merci. Là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Putain, fou. T'as Victor, c'est que j'ai galéré du cul pour venir te chercher, mon coco. Hein. Écoute, te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Je vois des gens qui manifestent. Mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder. Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau n'arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose? Non, vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Ok. Yes. Merci pour ton aide. On va aller voir Misty. Misty, je fais des trucs chelous. J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire? Je l'ai scanné, regarde. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. D'accord. Tu m'expliques un petit peu le délire? T'as dit quoi? Un arcane majeur? Une carte de tarot, un archétype, un savoir sous forme symbolique, une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref. Tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots? À toi ou à Silverhand, ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. D'accord. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a... En vrai, je pense que ça, c'est une réflexion que tous les religieux ont déjà fait, je pense. Du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi, je fais quoi d'un signe que je pige pas? Et qui vient d'une puissance dont je sais rien. J'aime la répartie de V. Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors... C'est la doubleuse de Mimi Géniard, non? J'ai l'impression. Or, tu dois la suivre. Ok. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Okay. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Trouver la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors,
Tu comprendras. Je sais pas. Ok. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Ça marche. J'ai l'impression de devoir chercher les gemmes de Barinzia un petit peu. C'est... Tu les mates ? Non, une de mes tchoums travaillait ici, c'est tout. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Attends, mais c'est quoi le club en face ? Tu traînes avec ce genre de tchoum ? Je sais pas. Bonjour. Non, je peux pas rentrer. Ah oui, toi t'es assez vrai que t'es là, toi. Qu'est-ce que je peux foutre du coup maintenant ? Tous les Kravity, bon, ça je verrai ça quand je les trouverai. Alors, ça on va peut-être éviter pour l'instant. Petit boulot du NCPD. Crime signalé, paranoïa. Vas-y, c'est où ? Ah, oh, c'est pas loin, ça va. C'est pas loin. Je vais tenter un truc. Non, ça marche pas, dommage. Faut pas le pirater ? Non, je peux pas. J'avais juste envie de l'emmerder, lui. On va prendre la moto. Peut-être manger un truc, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas toute ma vie. Consommable, ouais. J'ai quoi ? Un burrito. Allez hop, burrito XXL. Fangolo. Oui, il a parlé en espagnol, je parle en italien, je m'en fous. Il y a un crime. Moi je suis l'agent de la paix avant tout. Oh, c'était une connerie ça. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la parole de notre seigneur et maître ? Hop là, le hacking. Petit ping quand même, histoire de voir un petit peu combien vous êtes. Vous êtes toute seule ? C'est juste vous là ? Ok. Ah oui, ça fait plus de dégâts que le reste ça. On va essayer de la tuer juste avec ça. Ah, trop bien. C'est un fusil à pépon qui est là ? Ouais, c'est ça. C'est qui le suceur de bite ? Je sais pas, toi. Allez, hop ! Elle est sans visée, hein! Tiens! Tamaré! Ah, je pensais que j'étais en pleine tête, tu vois. Ah, t'as eu de la chance. Enfin, non, vu que t'es mort, mais la première fois, t'as eu de la chance. On est mort, c'est bon? J'arrive pas du matos violet. Il y a du matos sympa ici. T'es encore en vie? Impossible. Je ne tolérerai pas des criminels en vie. Oui, V. Ah bah, c'était pas une si grosse chute. Allez, il va s'agir de pas s'envoyer en l'air. Tap. Pardon, monsieur. Un crime. Non, c'est pas sécurisé. Bonjour messieurs. Alors, usage de la force autorisé. Ça tombe bien, j'aime la force. Alors, oula. 1C, BD. 1C, 1C, BD. Regardez-moi ça, c'est tellement smooth. Un petit ping. Même si je peux en voir 1, 2, 3, 4. Oh merde, je lui ai fait un truc, je sais pas quoi.
Bonjour. Putain. C'est quoi, je vais être généreux. J'en ai marre. D'ailleurs, je vais prendre mon sniper, ça vaut peut-être mieux. Oh, t'as les lames mantis, toi. T'as de la chance. Allez hop. Ok, toi, je te vois. Bah, j'arrive pour ton cul, ma chère, mon cher. Mon chat ou ma chère, en soi. T'inquiète. Je monte. Hop là, je monte ma gueule. Alors, toi, par contre. Non, t'es bien une mauvaise. Allez. Allez. Il reste quoi? Il reste des petits cons là-bas? Vas-y, je peux le faire ça, hein, rien. Oh, je prendrai ta bagnole après. Oh, tu veux me suriner? Ah ouais? Ah, t'es comme as, toi. Vas-y, ramène ton cul. Tu commences à me gonfler avec ton couteau de poche, là. Voilà. Je pense qu'il a eu son compte, je suis pas sûr, mais... Hop là. Au cas où. Voilà. Alors. Oh putain, alors lui, il a bien pris cher, hein. Lui ou elle, je serais même pas capable de le dire, tellement le corps est détruit et destroy. Hop là, pas de survivant. Il y a encore du loot là. Pas de survivant, bien évidemment. Alors après, s'il y avait des civils, bah, j'ai pas fait exprès. Des dommages collatéraux, ils sont déjà morts quand je suis arrivé. Voilà, ce sera ma version auprès des flics. Vous savez ce que c'est un gros regret que j'ai pour l'instant sur le jeu. Qu'on puisse pas. Genre là, les trucs de musique là, qu'on puisse pas tirer dedans et les péter une bonne fois pour toutes. C'est mon seul regret. Parce qu'à la limite, les bugs, je m'en fous, mais ça, ils sont drôles les bugs pour l'instant. Donc ça me va. Putain, après, je leur fous la mine, mais incroyable. Bon, je souffre un peu aussi, mais. Quand même moins que. J'ai récupéré le truc du crime en cours de route ou pas? Ah non, c'était là. Ah. Je sais pas si j'ai récupéré l'autre du coup. Ouais, sans doute si. Ah, 1500 balles. Non, j'ai dit que je prenais la voiture qui était derrière. Ah, je suis pas assez chargé. Voilà, ça c'est autre chose quand même. Hein. Je l'ai abîmé au bout d'un mètre cinquante, mais oh, la bouteille de propane, peut-être voir que je fasse gaffe. Putain. Est-ce que je peux faire plus de 3 mètres, s'il vous plaît? Putain. Je suis un danger public. C'est vraiment la place de Dirty Fred. S'il a fait celui-là. Attends, quoi? Qui me parle? Le collègue de Bart Moss. Mais fous-moi la paix! Comment il est mon numéro, ce con, déjà? Non, faites pas attention, je fais demi-tour, du calme. J'aurais pas dû remettre un coup de volant sur la gauche. Bonjour, c'est la justice. C'est quoi ton problème? Tu veux te la jouer, là, ou... Oh, t'es sérieux? T'es sérieux? Tu veux te la donner, hein? Tu veux te la donner, vas-y! Oh là, où t'es? Tiens! Connard! Bon!
Bon, je me suis raté. Au départ. Voilà, mieux. J'ai plus de balles. Ils se battent contre les flics, non? Putain, mais... C'est pas vrai! Y'a des skills pour améliorer les tirs au sniper? Parce que putain, je suis mauvais, hein! C'est incroyable! Ça doit être un fixe. Parfait. Vous ne demanderez pas si je loot un peu, monsieur l'agent? Non, t'inquiète, t'inquiète, je te fais rien, je te fais rien. Il se loot. On s'est battu ensemble, ça s'oublie pas ça. Robert Wilson, c'est qui ça? 5 sur 5. Shoot the frill. Quoi de neuf? J'organise un petit concours de tir. Des prix, tout ça. Je fais ça ici. Au stand de tir, quoi. Ouais. J'avais compris. Alors, ça te dit? Pourquoi pas? Ouais, grave. Pourquoi pas? C'est quand? Eh bah, maintenant, on t'attend. Ah oui, bon, bah, faut pas faire m'attendre pour tout de suite, hein. Ah, c'est tout? C'était tout? Ok. Ok, il a l'air d'être dans la merde. Petit boulot du NCPD. Crime signalé, objet trouvé. Se rendre à la cache du dealer. Elle est où? 1 km 3. On va prendre le TP. Hein. Alors. Ah putain, c'est dans un coin que je connais pas. Merde. On va partir de là, hein, je pense. Et on reviendra peut-être à l'appart. Soit je pense qu'on va faire ça et après on va revenir à l'appart pour faire 2-3 trucs. Et on terminera le live là. Alors. T'as 600 mètres. Allez, avec la moto. Allez. Et putain, mais connasse! Putain, je suis 40 mètres plus loin là, viens plus loin! Viens plus près! Oui, bah, piup piup piup, oui. Allez! Bah, ça marche. Putain, y'a un crime juste en dessous. Que je le fasse de là ou pas? Alors, parfait. Alors, ping. Ils sont que 4. Ça va être tranquille. C'est quoi ça? Caméra de surveillance? En pire des cas, je m'en fous un peu. Hein. Laissez mourir. Et... Il est là! Je le sens!
Alors on va juste le tuer, quoi, tout doucement. Lentement, sûrement. Qui est en train de chercher ma position là? Ah, échec parce que je l'ai tué. Alors attends. Et à ton pote là juste à côté, là, je peux pas lui faire un truc? Ah non. Elle a perdu son arme? Ah ouais, je lui ai fait perdre son arme. Ah, est-ce que je lui ai coupé le bras? Ah non. Non, je sais pas pourquoi elle a lâché son arme du coup. Voilà. Mieux. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah putain. Je sais pas s'il y a moyen qu'on arrive plus tôt, parce que c'est un crime en cours, c'est pas un crime fini. Mais qu'est-ce qui m'emmerde? Je m'en fous. C'est pas copyright ça? Ah putain, si on peut! On peut, mais ça l'a pas désactivé. Ah. Mais ils l'ont mis sur combien de... Quoi? Les écrans sont anti-balles? The fuck? Les écrans sont pare-balles? C'est quoi cet univers? Ah, dommage. Ah, quel dommage. Toilette? Alors, on va remonter. Hein. Ah, quelle pub de bon goût, tiens. Merde, attends. Voilà. Allez, on remonte sur la moto. Mais ça serait effectivement bien que je trouve une bagnole pas trop chère, alors que je me fasse de l'argent vite fait, pour que j'achète une voiture. Parce que la moto c'est sympa, mais je préfère quand même la bagnole. Connard? Connard, je te dérange? Ouais, activité illégale, mon cul, hein. Oui, bah je suis là, je sais. Activité illégale, et lui il est pas arrêté pour m'être rentré dedans? Y'a question à la con, ça des klaxons dans la vraie vie, les motos? Je me suis jamais posé la question, j'ai jamais vu de moto klaxonner. C'est quoi ça? C'est une carte de tarot ça? Attends, c'est quoi? Non, fais voir la map. Ah non, Netrunner. Kusanagi, ah ouais, ça c'est la moto. Kusanagi Aiba. J'en bats les couilles des flics. Enfin, idéal, ça serait qu'il m'emmerde pas pendant que je travaille, quoi. Finalement, je fais tout, hein, les flics et les criminels en même temps. Hein. Ils m'emmerdent, donc. C'est quand vous voulez vous me lâcher la grappe, les flics, hein. Bon, ça va vous sinon? Ah bah voilà, enfin. Bon alors. Alors. Déjà, on va commencer par ça, oui. Ok, je lui ai fait un truc, c'est pas...
y en a deux dedans en plus. Putain, il capte la caisse. Alors toi mon pote. Et ton pote à droite là. Ah je peux juste que le ping. Bon je l'ai ping. Hop là, reste au sol. Je pense que t'as pas compris. Toi non plus, je pense que t'as pas compris. Voilà. Y'a plus que lui ? Ok, on va prendre un petit coup de soin quand même. Ouh ! Alors lui, il a pris le tarot de sa vie. Oh, elle était piffée cette balle, mais putain, ce qu'elle était belle. Non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, sors-moi de là! Takemura. Hey, je peux te parler? Oui. C'est important. Important comment? J'ai peut-être trouvé une solution à notre problème commun. J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis chez Arasaka. Mm-hmm. Il est en âge d'hostie en ce moment. Et il est en relation avec certaines personnes influentes. D'accord. Et en quoi ça va nous aider, au juste? Nous nous rencontrerons. Toi, moi et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au compte de Kipulaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais c'est un lieu. D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous? J'ai pas le temps. Après le coucher du soleil, je t'envoie les coordonnées exactes. Ok, ça marche. On se retrouve là-bas. On le fera dans 6 ans et demi. Alors, on le fera dans 80 épisodes, comme les nonnes. Alors, Bon, ouais, c'est pas mal, hein. 300 balles. 400, presque. C'était ça, la quête des flics, là? Ah oui, c'était ça. Appartement. Kabuki, Corpo Plaza, Glen, Japantown. Ah, 5000, 15000, 40000. Ça, j'aimerais bien. Bon, attendez. Est-ce que c'est possible de revenir à la maison? Il y a un téléporteur à côté ou pas? Putain, il n'y a pas de téléporteur à côté. Qu'est-ce qu'il me raconte? La nuit depuis cette tanière derrière le cinquième bambou du hameau, le renard sort pour chasser. Il étanche sa soif à l'abreuvoir en attendant ton arrivée. Il... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Merde. Merci. Merc amateur, oui, c'est Takemura. Il est con ou quoi? Il est con ou quoi? Mais ta gueule, me fous-moi la paix! Ouais, ouais. Putain. Il est con! Mec, il est en mode. Ah oui, je vois que tu ne comprends pas le code que j'ai inventé il y a 5 minutes. Bah oui, tu me l'as pas expliqué ton code, connard. Comment tu veux que je le dévoile? Non, je veux pas rejoindre Takemura. Je veux pas rejoindre Takemura, je veux aller à mon putain d'appart. J'ai des trucs à faire. Voilà, garé. Parfait. Impeccable.
Paf, open ça. Je veux aller au méga building, mon cul, là. Il est où? Voilà. Comme ça, ça va me TP direct chez moi. Comment ça, t'as une mise à jour à faire? Bon. Bon, 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 parfait. Comme ça, on est devant chez moi. Bien. Oh. C'est quoi, c'est le fou? Ok. Bon, bah 2 sur 20. Truc à vendre. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Oh putain, oui, j'aurais des trucs à vendre. Oh, il a l'air beau celui-là. Oh, il a l'air vraiment beau. On va regarder ce que c'est. Ouais, truc intelligent, ça, je suis pas fan. Je suis pas très fan. Mais celui-là, on va regarder ce que c'est un petit peu. Parce que ça m'a... Oh, alors ce katana-là. Il va falloir qu'on étudie ça de plus près. Alors c'est de la merde, c'est de la merde. Ça peut-être que c'est bien. Ça j'aime pas. Celle-là peut-être que je les ai aimés. Les trois là j'aime pas. Ça on va voir. Les pompes on va voir. Ouais tout ça on va voir au pire, je l'ai démontré. Puis en termes de reste. Non mais c'est bon. Ça me fait gagner combien là? Beaucoup. Ah 2250$, ça va. Hop, nouvelle zone, ouais, c'est pas comme si je la connaissais pas cette zone. Alors, et voir la gueule du pépon. Hein. Ah, je peux pas le sortir. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Il a avoir une bonne gueule. Hein. Alors, il est dégueulasse en termes graphiques. Mais en termes de design, il a l'air pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, apparemment, j'ai de nouvelles armes. Oui, parce qu'il y a le katana. J'espère qu'il est rouge. Tu vois. Oh, il est Arasaka. Oh, oh, il a l'air bien celui-là. Peut-être me le mettre de côté, là, Htio, là. Ouais. Il m'a l'air pas mal, ça. Alors, attends. La planque. Alors, la planque. On va glisser quelques trucs. Oh, j'ai tellement hâte de pouvoir l'utiliser, celui-là, de précision. Plus de 10 en constitution. Il me manque si peu. Si peu pour pouvoir l'utiliser. Alors, on va ranger les deux katanas, là. Alors ça faut que je regarde. Ça va ranger. Ça faut que je regarde. Alors allez, faisons un peu notre fashion victim. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est moche. Alors en termes de haut, j'ai récupéré ça. Certainement pas. Ça dégage. Alors au niveau des futales, fais voir. Ah. J'aime pas. Hein, j'aime pas non plus. Hein, j'aime pas. Ah non, j'ai niqué le pantalon de V, merde. Ah putain, j'ai niqué le seul futel qui m'allait bien. Oh le con. Ah putain, le con. Merde. Ça, je peux le ranger. Merde, j'ai niqué le seul futal qui m'allait bien. Ah putain, mais le problème, c'est que j'ai plus que des pantalons dégueulasses. Ah merde! Ah merde! Ah, ça me fait chier. Ah, j'ai pas fait exprès. Bon bah je vais garder celui-là, hein, parce que celui-là c'est pas possible. Hein. Non, puis le marron comme ça il rend bien. J'ai moyen de mettre un truc dessus ou pas? Non. Non, parce que j'ai que les trucs légendaires, épiques, machin chouette, mon cul là. Alors. Après on les voit pas là. Ah ouais, mais non, mais les bottes sont immondes. Oh là, les bottes vertes. Les bottes vertes, on va les tège. Ah, celles-là, elles ont l'air dégueulasses.
Arrêtez, aussi. Chaussures habillées en polycarbone. Celles-là, elles ont l'air sympas. Celles-là, je vais les garder de côté. Après, là, sont celles que j'ai. Bon, il y a que celles-là qui me plaît. Et je vais garder que les blanches. Je vais garder que les blanches. Paf. Enfin, paf, plutôt. Ok. Heureusement que c'est un stockage infini. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Mais... Peut-être le garder sur moi, du coup, le fusil sniper. Comme je vais pas tarder à avoir une mitrailleuse légère. Oh, je la garde parce qu'elle est cool. Bon. Il y a du vent dans mes chiottes ou... Il y a du vent dans mes chiottes. Bah, tout va bien. J'ai la gueule comment, là? Je vais péter la gueule ou... Oh là, regardez-moi ce quartzal comme il est beau, putain. Avec les lunettes de Kizaru. Bon. Site internet, mon ordinateur, il est où? Net. C'est où? Ah, Easy State, voilà. Alors, rénovation. Question, contactez-nous. Ah oui, d'accord, je peux modifier mon intérieur ou changer d'appart. Il y a moyen de le visiter ou pas? Northside. Ouais. Voir ce qu'il y a. Ah putain. Voir ce qu'il y a d'autre. Japantown. Ouais, il ressemble un peu à celui que j'ai. Je crois qu'il y a Johnny à côté de moi qui a allumé sa clope, mais je suis pas sûr. Corpo Plaza. Il a l'air pas mal celui-là, mais le prix. Même de Night City. Peut-être prendre celle-là, hein, Corpo Plaza, quand ça sera. Oh, celle-là, elle a l'air bien. Celle-là, elle est bien. Ah, celle-là, elle a l'air bien. C'est dommage qu'on puisse pas visiter. On peut peut-être les visiter, attends. Est-ce qu'on peut les visiter? Ouais, j'avais cru entendre Johnny allumer sa clope, mais... Journal. Appartement. Tiens, dans le Glen. Carte. Il est où? Ah, il est pas loin en plus, eh. Il se fout de ma gueule ou quoi? C'est l'afterlife? C'est l'afterlife? Mais qu'est-ce que ça fout l'afterlife? 50 mètres. Ah oui, non, mais faut que je sorte d'ici déjà, oui. Ah oui, non, c'est pas du tout l'afterlife. T'as le jeu qui essaie de me baiser, quoi. Sans le jeu, j'ai l'impression qu'il essaiera toujours de nous baiser sur la localisation. Bon. Ah, yes. Alors. On va voir cet appartement. Là. Le fameux. Range ton flingue. Ça sert à rien d'exciter l'univers entier. Là. J'ai l'impression que ça me fait gagner de l'athlétisme, donc on va continuer. C'est un peu à la Valheim où tu spammes les trucs. Oh! Ah, oh, c'est sympa comme coin! Découvert totalement par hasard. Oula! Il se passe. Résident, Freddy Hancock, et à côté c'est quoi? Résident, et là c'est un flic? Mais vous. Monsieur, vous intervenez pas là? Oh! Mais fouille la paix! Mais. Alors, je suis désolé, excusez-moi, monsieur l'agent, hein, mais. On est où?
Ah, c'est bien parce que renverser quelqu'un et lui faire quelques égratignures, j'ai toute la police de la ville à mes trousses, mais abattre un gars devant eux, ils en ont rien à foutre. Alors, apparemment, je peux visiter. Est-ce que je peux visiter ? Bonjour ? Je peux pas visiter ? Oh, un vote Nadio cool. Attends, y'a aucun moyen de visiter ? Si, je peux peut-être visiter. C'est un peu de la merde si on peut pas visiter. Vous vous rendez compte? Je veux visiter. Mais dans tout l'univers, dans tout l'univers, tu peux visiter la baraque avant de l'acheter, et là non. C'est bien, en Skyrim, on pouvait pas non plus, mais... Ça serait là-dedans. En vrai, le bâtiment a une bonne gueule, hein. Alors, il a l'air un peu trop lumineux, mais... Il y a une bonne gueule. Road close, if he suppose. Ouf. Bon, bah écoutez. Hop, on se referait une bonne après-midi sur, sur Cyberpunk. Je sais plus lequel c'est, attendez, voilà. On sera fait une bonne après-midi sur Cyberpunk. Donc pas de stream ce soir. Faut que je me repose. Demain, pas d'après-midi, ça c'est sûr. Pas d'après-midi. Lundi soir, je sais pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Là, cette semaine, la semaine prochaine, il y aura du... très sans doute du Cyberpunk. Il faut vraiment que je termine The Room. Faut que je m'y remette. Et sans doute du Minecraft. Cette semaine, je serai en préparer un petit truc. Pas le RP que je vous promets, mais un autre truc. C'est en préparation. Donc voilà, et bah écoutez, merci d'avoir regardé ce stream. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.